Salut à tous, c'est Bad. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc un tuto sur Jarvan Jungle. On est en compagnie de Punchinator Salut tout le monde. qui va vous arriver en top. En face, on est contre Maître du Jungle. On va essayer de le counter un petit peu pendant la game. Donc Jarvan qui est un perso qu'on peut jouer soit au top, soit en jungle. On peut jouer avec des dégâts en jungle, mais moi je préfère le jouer en tank, je le trouve vraiment plus utile parce qu'il a beaucoup de contrôle. Il a un knock-up, il a un slow, il a une espèce de cage, enfin je sais pas si on peut appeler ça une cage, il a une arène. Vous avez déjà dû, je pense, le voir en game. Mais on va le voir plus précisément. On va essayer de le détailler un peu plus. Donc en face, on est sur une game silver bronze. Avec un trôleur Xin Troller Xin Zhao. Non, je pense pas que ce soit un troller. Yasuo mid ou Daichi? Yasuo, je dirais Yasuo au mid. Le Xin Zhao, tout à l'heure, enfin, on est tombé devant l'accueil, il y a quelqu'un avec qui était. Je pense que Yasuo voulait aller mid. Je sais pas ce qu'il va faire. Donc le starter classique hein, pour Jarvan. Vous allez monter donc au niveau de vos sorts, vous avez votre passive, donc la première attaque de base sur un ennemi inflige des dégâts physiques supplémentaires équivalent à 6% de ses PV actuels. C'est assez OP hein, pour engage, ça inflige pas mal de dégâts, surtout sur un tank. Ensuite, on va d'abord parler du E. Donc le E, vous placez un étendard donc sur une assez grande portée qui a deux effets, enfin même trois. Donc le premier, il inflige quelques dégâts de zone. De deux, il augmente la vitesse d'attaque et l'armure des alliés proches quand il est activé, et passivement aussi pour vous. Donc la troisième utilisation, c'est un sort combiné avec le A. Donc le A, vous balancez votre étendard et vous allez pouvoir allonger votre lance jusqu'à l'étendard. Vous verrez à partir du niveau 2 pour vous rapprocher. Et les ennemis qui seront entre l'étendard et vous, vous allez les knock-up. Donc vous verrez ça en action, je pense que ce sera plus facilement compréhensible. J'aimerais un pool. Yasuo au top. Et en plus, vous réduisez l'armure des ennemis qui sont touchés par le A. Oh merde, je n'ai pas fait, mais c'est pas grave, j'ai pas infligé de dégâts. Et votre Z, donc le Z c'est un shield. Le Z c'est un shield qui slow les ennemis, donc sur un rond sur le côté. Et l'ulti, c'est pas grave, je le montrerai niveau 6. Vous sautez sur l'ennemi, vous lui infligez pas mal de dégâts, donc niveau 6 c'est 200 de dégâts plus un ratio AD qui est à près de 0,33, et vous l'enfermez donc dans une arène. C'est seulement moyen d'en sortir, bah, que ce soit de jump, de dash à travers, ou ça l'oblige vraiment à sortir un sort, arrêter son DPS pour s'enfuir ou claquer le flash. Ok, donc là lui ça se fait un peu ouvrir quand même. On va claquer. Non, j'ai déjà claqué le bossu, c'est pas grave. Hop là. Donc on va faire un early bank. M'agresse pas trop. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'il reste? S'il reste, il meurt. Est-ce qu'il est encore là? Ah, je crois qu'il a back là pour le coup. C'était une petite seconde. Okay. On va faire un petit long mid. Ah, il est revenu. Thank you.
peut pas le cacher. Bon, ça fait chier là. Clairement. Au top, y a... Est-ce que tu veux qu'on le dive? Ouais, je suis pour. Tu es pour? Je suis là. C'est quand tu veux, go. Ok, le knock-up, tu passes. Là, je vais dans... Là, t'as dash dans le mauvais sens. Ah. Le track kid va t'achoper le first blood. On va récupérer la vague. Le creep. Ça va être deny au maximum. Ok, j'avais pas vu mettre lit. Aïe 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 aïe. Eh putain, il me l'a mis. Ah, je suis déçu. Je l'avais pas vu au début. J'étais concentré à regarder vite fait ce qui se passait sur la minimap. Enfin, j'aurais dû m'en douter, hein. j'ai fait le con. Donc, first item, je vous conseille de rush. Je vous conseille de rush l'esprit de l'ancien golem. Donc moi je le joue vraiment optique tanky, vu la compo de la team. C'est, je pense, le plus utile. Oh là là, c'est ouvrir la lutte. Bon, j'ai perdu mes buffs, c'est chiant. Puis un kill, oui. Et c'est encore plus chiant. C'est vraiment pas de jouer son Yasuo. J'ai regardé, c'est au moins la 10ème game qu'il fait avec de suite, mais... Non mais attends, c'est terrible. Putain, voilà. Bon, ce début de game est vraiment mal parti. C'est fait voir. On va faire un petit AFK de jungle. Parce que là, il y a rien d'intéressant à faire. Parce que... À part de perdre du temps... C'est quoi déjà la cage de Lux, son A? Ouais. Genre. Et tu vas repasser. En fait, tu t'en sors au top? Normalement, tu devrais l'ouvrir. Ouais, ça va, ça passe, ça se passe. Ok, en fait on n'a pas ces moyens. C'est de les gank. J'ai mon bleu qui va respawn. Qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué en plus. Tristana, c'est un petit peu obligé de push. Oula, oula. Vas-y, tu l'as. J'ai plus tout. Balance les 3. J'ai... Oh là là. Là, t'as du cul. Puissance, mon gars. Yuzu, il fait quoi? Yuzu, il a cru quoi? Donc
Donc on a notre niveau 6. Normalement les gangs vont se concrétiser par des kills. Je vais l'annoncer à la botlane. Ah putain, non, ça c'est pas bon. Ok, elle jump directement dans les roquettes. Oh, l'ulti là qui passe bien. Enfin, il y a un bonus de move speed. Ok, ouais, on l'a obligé à flash. Les deux ont flash. Vas-y, un ulti luxe. Non, elle peut pas. Ok, le maître Yi. Donc avec Jarvan, vous avez monté votre A. Est-ce que le mid a le bleu? Ouais, là je vais le prendre déjà. Comme un petit moment. Merde de top. Putain, je suis pas trop bien là parce que quand je vais pouvoir aller top, y a personne. Quand je vais pouvoir aller mid, elle push. Là il y avait du monde hein, au top. Hein. Ouais, mais là oui, mais j'étais en bot lane déjà. Non! J'ai loupé mon ult. J'ai loupé mon ult, j'avais oh. le. Ah ouais. Ah okay. Oh, t'as loupé ton ult. Ça se loupe pas lui par lui. Bah allez, il a flash. Okay. 10 secondes avant l'ulti. On va passer par devant. 5 secondes, maintenant qu'il est devant. Voilà. Ok, on a l'ulti. Wow. Il m'ouvre. Ok, donc là, pourquoi j'ai flash? Je sais pas si vous avez vu. Le Yasuo avait sa tornade. Et, comment dire? Le problème de la tornade, c'est qu'on peut balancer son ult derrière, elle aurait pu me tuer. Et là, en ayant flash, ça m'a fait esquiver la tornade, du coup, il m'a pas tué. Il avait plus de burst derrière, puisqu'il venait de balancer un A. Et voilà, quoi. Enfin, il était tout nu. Donc derrière, je l'ai eu, putain, je lui ai balancé l'étendard, le A qui l'a knock-up. Donc il se prend un petit peu au play, là, sur ce move. C'est dommage, la Lux qui a pas pu récupérer de kill parce qu'elle sait pas jouer, elle a carrément balancé ses skill shots vraiment dans le vent. Ok. J'essaie de... Ok, nice, l'interruption, on essaie de... Ah, par contre, là, elle est un peu abusée, je peux pas le knock-up. Ok, j'ai pas mon ulti. C'est stop, hein. Mon ulti serait passé. Non, on ne peut pas le drake. On va essayer de voir pour counter le bleu. Un ennemi a été tué.
Le bleu, il devrait spawn dans pas longtemps. Je vais faire mon raid. Vous voyez, enfin, c'est pas vraiment très compliqué, je trouve, de faire la diff sur une lane avec, avec Jarvan. C'est perso assez... Une fois que vous allez faire quelques games avec, vous allez voir comment réagissent ben, les ennemis par rapport à votre étendard. Parce que souvent, quand vous balancez l'étendard au début, vous allez vous fail un petit peu pour le knock-up, parce que ben, les gens, pas trop dur à éviter quand même. Ah bien. C'est passé. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de range hein, pour le knock-up. Aïe 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 aïe, ça c'est pas bon par contre. Ok. Ça va aller au top ou pas? Ouais. Ok, bah écoute, j'ai pas beaucoup de vie. Ah, il y a le I, il y a le I. Ah. Ok, bah écoute, je joue safe. J'ai pas beaucoup de vie. Hein. Ah, mais là, depuis tout à l'heure, il babysit le top. Il babysit le top. Ouais. Okay. Alors en face, on a majoritairement, ou on a quasiment que des, on a quasiment que des AD. Donc on va partir sur un rendu 1, de toute façon c'est le stuff là que je fais là, c'est le stuff que je fais habituellement pour l'instant. C'est-à-dire que je fais Spray de l'Ancien Golem, Mobility Boots et ensuite je finis sur un rendu 1. J'essaie de pas me montrer. Tu me dis quand tu vois le maître Yi. Mais qu'est-ce qu'il fout ici là Jana? Je sais pas. Ok, elle vient farm. Oh oui! Oh magnifique! Magnifique! Alors ça, cette action, ça c'était juste tellement beau. Bon, beaucoup de shun, mais tellement beau. Donc je balance mon étendard, le maître Yi qui était en train de balancer son Z. Ok, alors... Nickel, elle l'a eu. Alors là, le maître Yi, à mon avis, il a envie de pleurer. Il faut balancer un petit smite. J'ai encore foiré mon ult. Je vais péter un pont, putain. Okay. On va voir si pour le Tristana il y a un petit raid. Ok, il n'y a pas de raid. Est-ce que tu veux un petit dive au top? Ouais, carrément. Ok, bah écoute, on est avec Tristana. Comme si, il n'est pas là. Ok, je suis là. Ok, nickel. J'ai tanké la tour. Ok, il y a la reine, il y a la reine. Ok, il y a le... Oh, il y a la famille derrière. Fuis maintenant. Ok, alors là, j'aurais pu balancer mon étendard et tout. Je préfère flash, honnêtement. Attends ici dans le bush. Ouais, c'est bien. Non. Ouais, c'est un top. On est en plante. Ta tour est tombée? Non, pas encore. Il life. Il life. J'essaie d'aller défendre. Le Zin a l'air tout seul. Ah, oh, il a défoncé. Votre équipe a détruit une tourelle. Oh, non. On aura tout. Non, là par contre, j'ai fait le con. J'ai Mobility Boots, il n'aurait pas pu faire grand chose, je pense. Quand je comprends pas pourquoi la botlane. J'ai vraiment peur pour la Tristana. Oh là, quand même. Essaye de prendre la tour.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec l'escape et tout, mais Xin Zhao, il a tout shot. Hein. C'est vraiment d'aller en bas là. Tant de faire les golems, je pense. Ok, donc là on va pouvoir défendre la tour. Il faut faire attention aux grappes. Parce que j'ai 126 d'armure, j'ai pas énormément de résine. Oui, il était intuable là. Ouais, par contre, enfin, vous êtes tous au top quoi. En fait, ça. Ok. J'aurais bien aimé qu'elle. J'aurais bien aimé qu'elle vienne ce tour là pour que je l'ulte et qu'elle se prenne. Enfin, le bouchon. Ok. Oh là là, elle meurt pas. Ah, je suis déçu là, le blitz du coup qui m'aggrappe. Oh là là, il meurt pas en plus. Ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Donc ensuite au niveau du stuff, je pars sur une Warmog pour avoir plus de vie. Ensuite, suivant comment est la game, je pars sur un visage spirituel ou un vol de la Banshee, pardon, pour avoir plus de RM, pardon. Là en face, vous voyez, c'est que des AD à part Blitzcrank, mais Blitzcrank il la joue tank. Donc nous on s'en fout, clairement. Donc là on va partir sur Warmog, et puis on est salaud un peu, on va sortir la côte épineuse. Non, le fail flash. Fail. Fail flash. Ok. Si on peut tenir un peu. Vraiment fail quand j'ai mon ult. J'ai mon ult. Ah oui, la flèche. La Ok, on l'a eu. la Tristana a l'air vraiment très mauvaise, elle arrive pas à élastique les champions. Je sais pas si t'as remarqué. Ok, maîtrisé. Ok, elle, on l'a eu. On va essayer de se corser. Par contre, la Tristana, face au Oli et tout, je suis pas sûr que. Allez, tu tues, s'il te plaît. Nickel. Nickel, bon, on arrive à faire quelque chose quand même. Parce que début de partie, on sait pas trop quoi faire. On va prendre la T2. S'il vient, on le détruit. Hein. Ok, il est mort. Je te laisse, puis. Ouais. Meurs. Et genre, il est OP la Blitz. Hein, Blitz, bon, il t'a juste balancé un grapp, hein, il a pas fait. Grapp, un bump. Oh merde. Et son ult. Ah, t'es étendard, tout à l'heure. Ah merde, il y a le Xing là. J'essaie de choper la visu. Ok, on récupère le bleu. C'est nickel. Ok, écoute, c'est pas mal là ce qu'on fait. Elle a une manière spéciale de finir les. De la stick sur la Tristana, putain. Hop.
Donc le A, je rappelle aussi qu'il réduit l'armure de la cible, du coup c'est vraiment pas mal contre les tanks. J'ai quand même je pense, 22%, 26% à la montée rang max, je crois que c'est 22% niveau 1. C'est vraiment pas négligeable, surtout wow. Surtout si j'avais une compo en face avec vraiment beaucoup d'AD, ça aurait été vraiment, vraiment utile. Donc la lambda qui va acheter la war mode. Et puis là, comme prévu, on fait nos salauds, on achète une côte épineuse. Après on prendra de la vie, je pense. Je pense pas une deuxième war mode, parce que j'ai 3500 PV. Le côte épineuse, on gagnera 100, 100 d'armure, plus les dégâts qu'on va leur infliger. Ah ça, c'est bien ça. Mon outil, nickel. 8 secondes pour mon outil. Ok, bah écoute, c'est nickel ça. Donc là, j'ai flash pour pouvoir les ultis et être sûr de les avoir. Sans cœur. Hein. On va perdre le temps. On va push, on va push. Non, on ne pas. Ok, ok. Non, je rigole, je rigole. Je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais. Le but, c'est qu'il aurait pu me rap là, me tuer. Oh la luxe, là, qui est clairement eu de la chance. Il est chaud au fion. Clairement. Oh, c'est pas fini. Non, non, le... Alors, elle a chopé l'ulti à Jinx et elle est partie avec 50 PV. Oula, oula. Il faut faire attention, pas dû aimer le Yasuo quand je lui spike le bleu sous le nez. Fais gaffe, ma grande. Revenez, revenez à... Je vais pas assez vite pour les nefs. Hop là, on va acheter la côte de maille. J'ai pas laissé un bleu à la luxe. Là. Ok, on s'en fout, on s'en fout. Ah, c'est dommage. J'ai essayé le quad replay. Non, jamais. Il n'avait pas le Kempanta. Il était en bas le Yi. Donc je vous conseille aussi de mettre l'étendard à côté. Vas-y, on pêche, on pêche, on pêche. Mais ils arrivent tous là. Ils ont tous spawn. Il y a quoi? Je suis en tank. Non mais restez pas, restez pas, restez pas. Il n'y a pas pour moi. J'ai mon rendez-vous en plus pour me casser. Par contre, là, je mettrai. Pas le malin aussi, je peux aller. Ah ouais, vas-y, premier arrivé. Alors je vais pas utiliser mes skills là. Normalement c'est premier arrivé, premier servi, hein. C'est pas dernier arrivé, je prends le kill, YOLO. Ouais, mais t'as pas les damage, mec. J'ai pas les damage. Que je te monte, mec. Je suis full tank. Je suis sûr que je tiens plus longtemps déjà sûr dans un teamfight et je fais plus de dégâts que toi au final. Non. Oh que non.
c'est qui a récupéré le merde? Ah, c'est toi, connard. Ah ouais. Ok, je peux attendre le slow. Mais tu te fais du mal quand tu m'attaques, ma grande. Ouais, je me suicide, c'était trop simple. Ok, voilà, donc les gens, on gagne la game, du coup, voilà, Gooder, Jarvan. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire la diff. Jarvan, c'est vraiment un game maker de ouf. Je vous le conseille. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez des précisions sur certaines choses, sur des stuff ou quoi que ce soit, parce que c'est un perso que je mets en enquête, que je joue quasiment tout le temps. Merci d'avoir regardé la vidéo, like et commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Tous les jours je stream, à partir de maintenant le soir je vais stream donc la line-up de la Exe Community. Enfin, vous viendrez, je vais commenter donc leur game ranked, ces niveaux diamants. Je pense que ça va être sympa. Merci à toi, Tanj, d'avoir fait la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.